Moi, Loki, c'est un très bon copain. C'est un artiste à part qui, voilà, qui fait un hip-hop que j'adore. Et voilà, c'est un très bon bassiste. Un barbu avec une casquette. Alors, Loki's, c'est un bassiste et producteur que j'ai rencontré grâce à nos potes communs A State of Mind. Et il se trouve qu'on a aussi des projets en commun et on a bossé ensemble sur Anacova. Et mon vieux pote depuis. Oh là là, depuis bien longtemps. Mon rôle dans ce projet, c'est de faire d'abord du scratch, traiter ça, de bosser beaucoup sur le live avec Seb, puisque je reprends une partie des machines et toujours mes scratch avec lui. Mon rôle dans ce projet, c'est de faire un petit peu de road, voilà, de ramener des idées de clavier et d'être un bon copain. D'enregistrement, donc j'accueille tous les musiciens et le producteur, et on fait en sorte que je leur donne la meilleure matière possible pour ensuite faire un beau disque. Déjà les morceaux sont super, donc l'idée c'est d'avoir le meilleur son possible pour qu'ils puissent ensuite aller mixer de leur côté. The Waxidermist, alors ça m'évoque, je me suis toujours posé la question. The Waxidermist, ça m'évoque... The Waxidermist ? Un mec au fond d'une cave. Attends, je peux y réfléchir un peu seconde ? Alors moi, le Waxidermist, j'avoue que je connais pas bien. Waxidermist, pour moi, c'est ça sonne digger, ça sonne collectionneur de disques, chercheur de samples, voilà, c'est ça que ça m'inspire. Bah, qu'est-ce que ça m'évoque, The Waxidermist ? Ça m'évoque Loki's. De fait, parce que je pense que c'est presque, ça devrait presque être son nom maintenant, où Loki's est le waxidermiste. Je sais pas, ça me fait penser à du skate, ça me fait penser à un mélange entre entre du skateboard et de la taxidermie. Je crois que c'est ça, waxidermiste, et un hip-hop bien grand.